Et le revoilà, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Ecto. Vous vous souvenez, Ecto ? Un cheval qui avait vraiment fait sensation à 2 ans et aussi à 3 ans, a vaincu à 2 ans, gagnant le groupe 1 à 3 ans. C'était le dernier champion des Lille Louche, tout simplement. Ecto, un fils du Rican Run, à titre personnel que j'aimais beaucoup, Rican Run, et lui, Ecto. Sébastien, tu l'aimes bien toi aussi, j'imagine. Tout le monde l'aime bien. Il était parti aux États-Unis, il est de retour en France. Ça fait plaisir. Oui, ouais, ouais, ça fait plaisir. C'est un cheval qui nous avait tous marqué à 2 ans, qui était un cheval exceptionnel en course, qui s'est affiché comme un des tout meilleurs 3 ans de sa génération. Donc c'est super de pouvoir le voir revenir ici. Il a été élevé en France, il a été élevé par les Monceaux en partenariat avec Lady Aurélie, acheté par Sylvain Vidal. Donc il a tout, il a le pédigré, il a du physique, super cheval de course et il a un prix qui est super attractif en plus de ça. Combien ? 5000 euros. Seulement ? Pour un double gagnant de groupe 1. Un prix pour les amis ? Un prix pour les amis, faut qu'ils appellent. On verra s'ils sont des amis, mais il y a de grandes chances. D'accord. Juste un petit mot, Rican Run, c'était un gagnant d'Arc de Triomphe, fils de Monjeu, qui a eu des problèmes, lui, de fertilité, etc., qui est mort très jeune, mais qui est un très très bon étalon. Il a un fils O'Hara, c'est celui-ci, c'est ce frère de Most Improve, c'est Ecto.